Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Qu'est-ce que tu fais là? Pardon? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai le droit d'être là? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Non, 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 s'il te plaît. Non, faut pas allumer ton téléphone. Je ne touche pas mes affaires, s'il te plaît. S'il te plaît, on se connaît. Kim, tu te mets de côté. Okay. D'accord? Ça n'a rien à voir avec toi. Ok? Bon. Le monsieur n'a rien à faire ici. Hein. Si, le monsieur a tout à faire ici. N'ayez pas crainte. Je le connais, c'est pour lui le voir. Je ne connais pas. Voilà. Il s'appelle monsieur Kim, je le connais, j'ai grandi avec lui. Il le sait très bien. Je veux l'enlever. Je vois. Il sait même pourquoi je suis là. On va éviter les... Non, ne t'inquiète pas. Voilà. Voilà. Donc, pendant que nous sommes... Pendant que le Gabon est en train de souffrir, pendant que le peuple gabonais souffre, Madame Sylvia vient ici, en France, faire des courses. Voilà. Le peuple gabonais n'a pas le droit de voyager. Le peuple gabonais n'a pas le droit de sortir. Le peuple gabonais n'a pas le droit de sortir, mais Sylvia Bongo vient à Paris faire des courses, alors que des Gabonais sont tués tous les jours. Et voilà des amis d'enfance qui sont en train d'accompagner une criminelle. Une criminelle qui est à Paris. Venir faire des courses alors que le peuple gabonais est en train de mourir. Le Covid, on défend aux Gabonais de sortir, de prendre des avions. Mais Madame Sylvia est venue se pavaner à Paris. Ils sont où les gardes du corps qui se cachent maintenant? Kim, sors! Kim, tu es où? Qu'est-ce que tu te fais? Pourquoi tu te caches dans la voiture? Tu n'as pas honte, Oun? J'ai grandi avec ce monsieur. Il connaît mes valeurs. Et aujourd'hui, il travaille avec des criminels. Kim, tu n'as pas honte de faire ça à ton frère? Comment un pays entier? Elle est là, elle est cachée, ils sont là cachés. Voici l'équipe de Sylvia Bongo. Voici les voitures privées. Si la police arrive, je n'ai insulté personne. Je suis venu dire la vérité. Allez, vas-y, Kim, sors! Tu fais quoi, Kim, maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu fais caché maintenant dans la voiture? Tu n'as pas honte, Oun? Tu n'as pas honte? Comment un enfant va changer comme ça? Pour travailler avec des assassins et des criminels? Pourquoi, Kim, tu fais ça? Madame, vous avez été très gentille, c'est pas contre vous. Ce sont des assassins. Ils prennent des jets privés alors que le peuple gabonais est en train de souffrir, alors que les enfants sont en train de mourir. Ces gens-là se pavanent, venir faire des courses à Paris et tuer des Gabonais. Est-ce que ça c'est normal, madame? Oui, mais ça va pas arranger les choses. Ça n'arrange pas les choses? Ils sont en train de tuer le peuple. Je comprends bien. Elle a un jet privé. Madame Sylvia bénéficie de quel rang au Gabon? Une première dame au Gabon n'a pas de statut. Alors Kim, il est où? Il est où? Kim, tu n'as pas honte? Kim, tu n'as pas honte de travailler avec des assassins? Regardez, Madame Sylvia vient en France faire des courses pendant que le peuple gabonais est en train de crever. Le peuple gabonais est en train de crever. Elle vient faire des courses. Le Covid, les Gabonais ne peuvent pas sortir. Les Gabonais n'ont plus de visa. Mais Madame Sylvia est à Paris. Elle est à Paris, en jet privé, avec l'argent du contribuable gabonais. Le peuple est en train de souffrir. Madame vient faire des courses. Elle fait des courses.
alors que des enfants meurent. Les hôpitaux, on ne peut soigner personne dans les hôpitaux. Tu te tiens où, Sylvia? Tu te caches où? Regardez-les. Avec l'argent du contribuable gabonais. Regardez-les. Des assassins. Allez-y, masquez-vous. Bande de criminels que vous êtes. Bande d'assassins. Assassins que vous êtes. Vous tuez les Gabonais. Bande de criminels. Monsieur, vous êtes en train de transporter des assassins qui tuent le peuple gabonais. Nous souffrons. Nous n'avons le droit à rien. Mais vous, vous vous parrainez avec notre argent. Sylvia, tu es où? Pourquoi tu te caches? Elle est dans quelle vanne? Elle est dans quelle vanne, Sylvia? Hein? On va dans des grands hôtels, d'accord, à Paris. On vient à la Villa Maillot, on se la pavane et on va faire des courses. Gaspiller l'argent du Gabonais. Bande de sorciers que vous êtes. Il est où, Kim? Kim, tu es où? Sors de ta cachette. Kim, tu es où? Viens mettre une balle dans la tête à ton frère. Kim, viens. On a grandi ensemble. Traître. J'ai grandi avec cette chien maintenant. T'es enfoiré. On a grandi ensemble. Et ils sont pas bonnes. Travailler pour une criminelle. Kim Oun, tu n'as pas honte. Quand le Gabon, mon pays, t'a accueilli avec ta famille, c'était pour venir servir les criminels. Le Gabon a accueilli les Coréens, les Français. C'était pour que vous veniez tuer mon peuple. Tuez Oun, sors. Sortez de vos vannes. L'avion est à 19h. L'avion est à 19h. Votre jet privé, vous allez le rater. Bande d'enfoirés. Je vous attends. Appelez la police. Appelez qui vous voulez. Vous êtes des assassins. Regardez-les. Avec des vannes. Ils sont là. Ils sont là. Avec leur voiture. Madame ne peut pas. Elle reste au Gabon. Les Gabonais n'ont pas le droit de voyager. Les Gabonais n'ont pas le droit de prendre l'avion. Mais elle, en plein Covid, elle prend son jet privé. Elle prend son jet privé pour faire des courses à Paris. Faire des courses à Paris. Quand le peuple gabonais est en train de mourir, on vous a dit que vous vous êtes trompé de génération. Nous ne sommes pas violents, nous sommes pacifiques. Mais à chaque fois qu'on devra vous dénoncer, on va vous pourchasser. Sylvia, tu es où? Voilà la police qui arrive. Voilà, comme par hasard, la police va arriver. On va arrêter le Gabonais qui crie. Et eux, ils vont prendre les jets. Ils vont partir. Et c'est moi qui vais subir. Voilà, bonjour messieurs. Vous allez bien? Vous voyez ces camions, ces vannes? Vous connaissez le Gabon? C'est un pays en dictature. Et là, cette femme, elle n'a aucun droit. Au Gabon, une première dame n'a aucun droit. Elle prend des avions privés. Le peuple gabonais, à cause du Covid, ne peut pas sortir. Elle prend un jet privé, alors qu'avec l'argent du contribuable, alors que mon père est mort, il ne pouvait pas aller à l'hôpital, il n'y avait rien. Elle prend des jets privés pour venir faire des courses à Paris. Monsieur Béthi, j'ai le masque. Voilà, je vais mettre mon masque, il est là. Okay. Pas de souci. Et si vous voulez... Il n'y a pas de souci, je vais vous suivre. Si vous voulez, je vais faire ce que vous faire. Non, si vous voulez revendiquer, vous allez à l'ambassade. D'accord, il n'y a pas de souci, j'irai à l'ambassade. Pas ici, hein. Non, je vais partir. Non, il n'y a pas de souci, je vais retrouver mon masque. Il a dû tomber là-bas, je vais vérifier. Il est là, je l'ai. Voilà. Elle est cachée dans sa voiture. Elle n'ose plus sortir. Elle vient faire des courses. Madame vient faire des courses. Le peuple gabonais est en train de mourir. Le peuple gabonais meurt. Mais madame vient faire des courses. Et monsieur Kim m'a dit, tu n'as rien à faire ici. Honte, mon frère à moi, travailler avec des assassins. Merci monsieur, pas de soucis.
sort. Elle aura eu le message, c'est l'essentiel. Bon. Merci, chers compatriotes. Voilà ce qu'il faut faire. On dénonce, on dénonce. Nous sommes pacifiques. Nous ne faisons de mal à personne. Mais ces gens-là ne peuvent pas venir. Sylvia, tu croyais que tu pouvais venir à Paris te pavaner. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une honte. Et regardez-les. Ils sont enfermés dans la voiture. Elles n'osent pas sortir. Elles sont enfermées dans les vannes. Elles sont enfermées. Elles ont honte. Elles n'osent même pas sortir. Le Gabonais ne peut pas sortir du Gabon. Mais elle, elle vient en jet privé. Elle vient en jet privé faire des courses au Gabon. Avec votre argent. Peuple gabonais, jusqu'à quand on va laisser faire? Jusqu'à quand on va le laisser faire? Voilà, elle est dans son van. Kim, qui était là, est venu voler. Il est dans sa voiture, caché. Comme des rats. Comme des rats. Oui, je vais partir, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir. Non, je vais aller, je vais prendre mon... Il passait rien comme...